Abdominé actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, Conseil présidentiel transition a exprimé volonté prioritaire pour combattre violence, surtout après dernière attaque gangue dans Grecie. Ici aux États-Unis, président Joe Biden a annoncé nouveaux tarifs sur produits chinois pendant qu'il dénonçait la Chine de ce que l'a fait coquin dans le commerce international. États-Unis justice, Michael Cohen, ancien avocat Donald Trump, continue à répondre question Jodia dans procès historique ancien président qui en bas accusation de ce que l'été acheté silence vedette porno Stormy Daniels. Et puis dans la région Moyen-Orient, il y a une négociation qui continue à faire dans le pays Égypte et Washington espère que une trêve qui va déboucher après négociation ça. Mais actualité à nous d'abord dans le pays d'Haïti. Bienvenue, merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Conseil présidentiel transition a exprimé volonté prioritaire pour combattre violence surtout après dernière attaque gang fait dans Grecie. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Suite à l'attaque bandit armé au fait contre sous-commissariat Grecie dans la commune Kafou, Conseil présidentiel là dans une note pour la presse, rete quoi événement ça montrer une autre fois encore priorité des priorités à s'écraser banditisme dans tout pays hein, qui donc assurer sécurité population haïtienne. Conseil a rete quoi c'est responsabilité pour garantir sécurité chaque citoyen en de pays hein. Dans communiqué pour la presse ça qui rend public 13 mai 2024 là et qui signé par Edgar Leblanc, conseillant dit indigné après Zach Bandi au fait dans commune Grecie, côté la police a pas reprendre contrôle situation. Dans jour cap vini la yo, Bandi a suspend dicté loi yo, c'est ça conseil a promettre pendant l'annoncé formation avant longtemps Conseil national sécurité hein, selon vœu accord 3 avril. Accord 3 avril là, n'a souligné prévoit formation Conseil national sécurité hein. Cependant, divers jours passés déjà, aucune mise en place pour qu'on fête dans ce sens. Conseil présidentiel là, réitéré engagement li pour mettre en place et structurer ça, pendant le remercier population haïtienne pour maturité et patience li. Conseil national sécurité a bien pour coordonner relation entre police nationale là, force l'armée d'Haïti et puis soutien international là dans domaine sécurité. Une association qui prend une véritable machine de guerre contre bandits dans tout pays, hein, selon sa conseil a souligné. En plus, attaque gang armée dans la commune Grecie qui était fait objet de discussion dans le conseil là pendant le week-end écoulé, hein, même conseil présidentiel a travaillé tout sous inventaire des gars mouvement dernier mois causé dans Port-au-Prince avec divers l'autre côté dans le pays, hein, côté gain divers casse et incendie qui fait. Selon conseil présidentiel Leslie Voltaire, dégâts ça yo gain effet yon goudou goudou sur tout pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et actualité a mené nous dans Jérémy dans département Grand-Anse côté ancien sénateur Élie Guy Philippe mandé démission membre conseil présidentiel transition. Mackinson Charles c'est correspondant nous dans région. Ancien sénateur Élie Grand-Anse Guy Philippe, pendant passage des jours qui était samedi 11 mai 2024 là dans ville Jérémy, t'es profité parler dans micro la presse pour dénoncer conseil présidentiel là, selon lui-même qui pas refléter choix peuple là, en même temps profiter ben raison qui fait révolution pour qu'arrive abouti, Jean pile monde t'a souhaité ça. Conseil de femmes ça pas venir Haïti aucun côté. Il va pas venir Haïti aucun côté. D'ailleurs chaque bureau n'est ça. Combien de monde va gagner? Combien d'argent va le dépenser pour gagner 9 bureaux? On dit presque une centaine de monde. Chaque pour une machine, chaque pour un gaz, chaque pour un frais, chaque pour un chien. Nous avons déjà pour. Quand on a besoin d'argent pour investir dans l'agriculture, quand on a besoin d'argent pour investir dans l'éducation, qui ça n'est ça qui défendre? Qui est-ce qui me dit là? Il n'y a pas aucune légalité. Il n'y a pas aucune légalité qui a fait pour dire que ça a une légalité. Il n'y a pas aucune légitimité populaire. Donc, le monde qui a besoin de révolution, révolution, ce n'est pas un coup d'état, non? Révolution, ce n'est pas une prise d'âme, tant qu'on prend des âmes, on parle de pouvoir, non? Non. Révolution plus profonde que ça. Révolution, c'est un système qui vient de changer, il compte printemps, la printemps, on ne peut pas faire tout, on ne peut pas arriver sur le pouvoir. Ça fait révolution, supposé continuer. Et une révolution pour le monde, il a Guy Philippe. Même si Guy Philippe a disparu demain, il y a l'autre jeune garçon qui vous prend. On a pris le côté pour nous, on va aller droit au but et on a joué notre Haïti besoin. On a toujours sous béton, on a toujours là pour nous dénoncer. Et ce n'est pas aujourd'hui avant de venir pour mouvement révolution. Ancien sénateur Élie Grand-Anse a demandé pour membre conseil capable de la raison pour démissionner pendant les comptes de déploiement de forces étrangères dans le pays.
tant qu'on pas gagne rien contre aucun politicien dans la forme là seul samedi yo puis bon conseil n'a pas c'est démissionner ou Dieu prend pas bon ou Dieu prend y a craser Haïti comment vous comprendre la bon pouvoir pour blanc jour avant yo maintenant faut signer pour dire qu'on accepter intervention militaire dans pays qui patriote qui haïtien qui compte tout ça ne passer en bas intervention depuis qu'il y a pas intervention 1994 2004 qui ça intervention j'en fais pour nous qui ça intervention militaire j'en utile à Haïti. Pour un patriote, je dis là, il faut forcer aussi pour une autre intervention qui va même militer à la ville, non? Police Kenya, une police qui corrompt, une police qui a tout problème par la gare. Il veut venir là, pour venir dire, ok, peuple noir, ça va pas bien, hein? C'est chaos total. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. L'autre point dans l'actualité a gagné action gang Améo qui gagne un pile impact sous pays mais qui gagne impact principalement tout sous et santé mentale Timounio. Nous parlons ça avec Fred Kaimit. Violence qui crée la trouble dans le pays d'Haïti traumatise Timounio. Nous voulons dire qu'il gagne gros impact sous santé mentale. Kounia, société haïtienne a développé une tendance pour craser tabou. Vie préjugé à conception sur ça qui ira pour le service santé mentale. Chaque jour, jeune ça est exposé à Brilaria qui charge avec violence tant pour coup de cartouche, balle cap chanté, ak moun cap prélé en mri devant la terre gang ak simaye. Et les vieux dans la ria, y a passé beaucoup de cadavres ak trou balle dans koyo. Par exemple, dans zone bon repos, dans la partie non capitale de la Port-au-Prince, élèves yo kon vomi pipi sou yo dans classe pendant coup de zam lou ap chante. Yasmine Dewosh, yon psychologue, partage stratégie d'utilise pour aider timoun yo. Mwen pa bali possibilité comme si pou li enquêter de bal yo de situation parce que mwen occupé tan. Soit nous nan pa jouet lan, nap joué ensemble ou bien nap dialogué. Sous dossier ça, Bruno Mahes, représentant UNICEF en Haïti, dans interview avec AP, t'a présenté impact situation en gain sous Timounio. Violence ça traumatisant. Eh bien, c'est une génération Timoun ak jeune qui ici a. C'est peut-être ça, violence doit kaba. C'est pour ça nous besoin sécurité, nous besoin protection. Nous devons mettre sous pied un petit crasse l'espoir ak service dans un environnement sans violence. Port-au-Prince capitale pays d'Haïti en bas la terre à gros attaque gang puissant qui contrôlait d'après un rapport Nations Unies plus 80% zone métropolitaine non. Violence a eu la cause la mort au moins 2500 monde mouri ou soit blessé dans 3 premiers mois dans l'année 2024 là. À peu près 900 écoles fermées portes à travers Port-au-Prince pendant fusillade et kidnapping continué. Amos lui, qui c'est un maman qui quittait Kaili à cause activité gang yo, t'es parlé de situation li. Qui côté mal mettre l'école là. Un problème de sécurité, si moun nan l'école, t'en est tiré et courir à courir avec ti moun. Problème de sécurité, tu m'as amené à l'école. Avec l'école, yo boule, li tout pa gen moyen encore, juste pour payer l'école pour eux. Pendant ce temps, il y a une nouvelle équipe gouvernementale qui prend tête PIA en parlant des conseils présidentiels transition qui gagnent. À gouvernement qui pral monter. Comme pigou défi au gagnant, c'est rétablir sécurité dans pays a et bloquer activité gang yo. Yon reportage, préparation et présentation Fred Kaimit, n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince, côté coordinatrice générale programme national cantine scolaire, Madame Calixte Delatour, souhaité phénomène gangsterisation fini dans le pays pour activité programme non, on a parlé de programme cantine scolaire, et bien qui paralysé, capable de recommencer. Yon reportage, Rouen Toussaint, depuis Port-au-Prince. Phénomène gangsterisation, banditisme, y a incidence grave sur fonctionnement, capacité opérationnelle, programme national cantine scolaire PNCS, d'après coordonnatrice générale institution ça, Madame Gina Guyer de la Tour. Par rapport avec situation pays, on connaît nous-mêmes, nous c'est directement c'est sous ministère éducation nationale que nous y est. Ça veut dire c'est ministère des finances, tout ça qu'a fait ça, y a atteint nous comme institution. Donc j'en que pour opération t'a fait pour t'a acheter manger je viens manger nous pas arriver faire ça et bon bon exemple nous capable dire nous gagne un marché que nous t'ai ouvri depuis l'année dernière marché a fin validé nous connaît que n'a venir manger pour nous bail
et puis les pour nous t'as manger à pour nous bail problème en série de bagages fait que manger à pour nous pas jamais qu'à arriver recevoir manger ça pour nous faire distribution ça veut dire problème pays en lien avec nous il fait que PNCS pas fait moyenne dans classe là l'elle pas fait moyenne en tant que opérateur nous pas honte tout pour mettre nous pas capable mettre parce que nous pas fait moyenne vrai. Madame Delatour dit malgré tout grâce à support différents partenaires locaux et international tant que Fonds national éducation FNE et programme alimentaire mondial PAM, il y a plus passé 1 million de personnes qui bénéficient programme cantine scolaire. Là nous t'es venu et nous t'es pour chiffre que nous t'es gagné c'est moins que 500 000 personnes j'ai chiffre là bien mais qu'on y a là nous à plus de 1 million. Nous bâillons un rapport détaillé, OK, de mais qui partenaire? Partenaire, vous faites 30% à l'ujouement. Comme si c'est un bagage qui fait de manière et transparent. Nous, bah, tout chiffre, tout est disponible sur site PNCS, sur site et sur tout réseau honnête. Nous sommes capables de voir chiffre et voir chaque partenaire, mais qui continue à faire. Et PNCS, tout, mais qui continue. Là, nous pas fait moyenne, tout comme opérateur. Nous mettez lui. Parce que l'année dernière, nous pas fait moyenne. Et à mes sens, nous n'avons pas fait moyenne encore. Dans l'opération. Pas dans la régulation. Lydie, département de l'Ouest, précisément, zone adjacente Port-au-Prince, vraiment pas bénéficié à cause phénomène insécurité. Madame Delatour fait connaître, y a travaillé sérieusement pour que y reprenne activité dans la région ça pendant le fixé objectif pour que d'ici l'année 2030, tout le monde de l'école participe dans le programme cantine scolaire. Wena Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Roland Toussaint et plus passé yon centaine moun ki fermé nan prison civile commune Kafou a fait face à yon problème grand goût sans pareil Masiado Vilme gen détail sou point ça. Activité gang yo a mené nan rentrée ak sorti sid Port-au-Prince pesé lou sou do prisonnier ki fermé nan prison civile commune Kafou. Yon citoyen qui présentait tête li comme yon responsable prison qui pas d'accord nous cité non a bay détail. Dans moment n'a parlé là prison pa gen manger. Bon, l'état connaît problème pays a, l'état en difficulté pour passer matisan avec manger en gens difficile. C'est raison ça qui fait prison yon problème manger. Les nous les supérieurs hiérarchiques nous parler avec lui dit mais qu'il est bay cap fini mais en nous font titane et pour le moment nous pa gen poids pa gen l'huile. Pour assurer la sécurité prison, il faut que prisonniers viennent manger. C'est 155 prisonniers fermés là. Si nous ne mangeons pas de manger, c'est la catastrophe pour nous. Le problème à Venezuela, c'est que nous manquons de matériel pour notre travail. Nous n'avons pas de gaz pour la question d'éclairage, etc. Nous devons dire que les gens n'ont pas arrivé à identifier tout le monde et aller à cadavre policier Jean Danas dans la nuit lundi 13 mai 2024 là, dans la commune Kafou, puis précisément à Côte-Plage 20. D'après le syndicat national policier haïtien, SINAPOA, ça fait 18 policiers qui mourent assassinés depuis le commencement de l'année 2024 là. Cependant, la situation aurait été compliquée dans l'entrée et la sortie de la capitale là, surtout dans la commune Gressier. Citoyens et citoyens qui cherchent à vaquer avec l'occupation, ils ont contraintes pour fréquenter la route nationale numéro 2. Nous avons besoin de passer dans la route là pour nous vendre les organes, pour nous vendre 10 fois. La route là bloquée, je ne peux pas marcher, je ne peux pas passer. Nous avons dit que 4 du matin, nous devons l'arrière pour nous pour chercher la vie, pour nous prendre soin de famille. Alors que depuis le matin, depuis à 4 nous dans la rue. On nous pas une machine pour nous traverser Gressier, ou bloquer Gressier. Et voilà, vous pouvez nous pas demander l'état pour faire rien, pour nous savoir si c'est la rue, pour nous traverser, pour nous chercher. C'est gratuitement nous, comme nous, comme la banque nous prêter, avec pour nous dégager, pour nous marcher, si vous êtes ou pas traverser, pour nous venir. Situation ça, c'est conséquence bandit qui a cherché à prendre contrôle comme une Gressier depuis le week-end passé. De l'autre côté, moun capable boyon mouvement nettoyage jeune ak autorité dans commune Delma tanmè jodi mardi 14 mai 2024 là dans l'idée pour forcer la vie reprendre après zak brigaday bandi vive ensemble yo fait dans un beau parti dans commune là jeune qui camper qui prend initiative côté que nous dit Delma pas péri c'est ça fait nous lancer opération ça dans Kafou au bord nous pas prêter seul Kafou au bord n'a fait ceci et certain n'a fait dans tout Delma. Nous avons fait tout Delma, de bloc en bloc, de quartier en quartier, au fur et à mesure, l'autre jeune qui a fait politique,
dans Delma décidé rejoindre nous n'a continuer et travailler là pas camper. Pour finir n'a dit force de l'ordre continue à affronter groupe civil armé qui cherche prendre contrôle sur l'île depuis plusieurs mois. Pour jeudi mardi 14 mai 2024 là, monde capable tendre un pile coup de balle qui a chanté dans Solino, Belé, Fort National pour citer ça seulement. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Rovilme pour VOA Créole. Ou toujours sous VOA Créole, ou suivi au programme dans langue créole haïtien, c'était actualité à concernant pays d'Haïti, pas à déplacer actualité internationale là dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer aux actualités internationales là. États-Unis justice gain Michael Cohen qui est ancien avocat, ancien président républicain Donald Trump qui continue à répondre question la justice dans procès historique ça côté ancien président en bas accusation comme quoi il était acheté silence yon vedette porno Stormy Daniels. Nous voilà gain gentil Augustin Junior qui gain une mise à jour pour nous. Ancien avocat Donald Trump là, Michael Cohen, dit jury à jeudi mardi 14 mai 2024 là, dans une réunion dans bureau Oval là dans mois février 2017, président américain dans moment t'ai confirmé un plan pour rembourser en cachette l'argent li t'ai payé pour silence vedette pornographie Stormy Daniels. Cohen, qui représentait un témoin clé dans procès criminel Trump dans New York, te admet tout, li te bay menti plusieurs fois. Après li te fin prêté serment pour le dire toute la vérité, mais li te insisté que li te fait ça pour te rester loyal vis-à-vis Trump pendant que procureur yo t'a cherché contre-attaquer crédibilité Cohen. Dans premier jour li comme témoin, Cohen te détaillé qui Jean Trump te ballod pour payer actrice film porno Stormy Daniels. Feli, Cohen te rappelé Trump te dit pour kembe histoire li sou yon soi-disant rencontre sexuelle dans l'année 2006 avant élection 2016 yo. 130 000 Cohen te bay Stormy Daniels pour Donald Trump dans mois octobre 2016, trouvé dans quel procès historique ça qui dans 5e semaine li. Trump, 77 l'année, candidat républicain pour élection présidentielle 2024 là, te plaidé non coupable et rejeté causé comme quoi li te gen relation sexuelle ak Stormy Daniels. Li considéré procès ça tant kou yon persécution et comme yon interférence adversaire yo nan campagne li pour reprendre Maison Blanche là nan men président démocrate là Joe Biden. The gag order has to come off. Gage order doit lever. Qui donc, le opposé mion question sou moun na pale ya, mwen pa gen droit répondre. Pa jam gen an yen konsa nan l'histoire pays nou an. Se yon anak, se yon ingérence électorale nan yon niveau nou pa jam wè anvan. Et puis kounye ya, si ou pa gen problème, mwen pral antre nan glasye ya, et puis chita pou yon bon titan. En tant que yon gros républicain nan Congrès ya, Mike Johnson, se pi ancien nan mam pati ya ki paraît ak Trump de yo tribunal la nan New York. Côté, yo akize Trump parce que li te essayé cacher yon paiement silence, yon star porno pour renforcer campagne présidentielle li nan l'année 2016. President Trump is a friend and I wanted to be here to support him. Président Trump, c'est un ami et moi te vle là pour me supporter. Ça c'est 5e semaine président Trump dans tribunal pour jugement ça. Il a fait ça exprès pour qu'un bel ici là et puis empêcher le faire campagne. Procureur yo dit Trump te rembourse Cohen après élection yo. L'élite créé faux dossier qui indiquait c'était pour frais légal yo. Remboursement déguisé ça yo formé base 34 accusations pour falsifier dossier business Trump a fait face. Cohen 57 l'année. Te dit que l'élite bay Congrès a menti plusieurs fois pendant yon enquête sous lien Trump à Clarissy. Finalement te plaide coupable pour faux témoignage. Li te di jiri yo tout que li te bay menti sou paiement Daniels ak yon lot femme. Li di reporter yo que Trump pat gen aucune implication et puis pressement de Daniels pour publier yon déclaration qui démenti rencontre yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Donc pour ça après continuer qu'on y a fait ça les examination de toute déclaration que et ancien avocat et ancien ami tout ancien président Donald Trump en parlant de Michael Cohen n'a prêté toujours ici aux États-Unis côté président Joe Biden il prend la parole jodi à côté l'annoncé il a metté augmentation drastique sous produits électroniques pays chinois mes déclarations. Dear Debbie, welcome. And Haley Stevens,
For too long, it hasn't been fair. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies. Trump dit là, et justice ça là trop longtemps. Pendant plusieurs années, le gouvernement chinois a pompé l'argent, l'État n'a yon paquet de secteurs, toujours dans le domaine semi-conducteurs, machines électroniques, panneaux solaires. La Chine subventionnait tout produit ça. Ça qui poussait l'entreprise chinoise à produire plus parce que ça le reste monde là capable d'absorber. Et ça qui en plus il a gagné sous marché à un prix injuste et qui pi bas passé l'autre fabricant yo. Et ça crée la faillite. Président Joe Biden dit ça pas fait encore. Nous pas quitter la Chine inondé marché noir pour rendre impossible pour constructeurs automobiles américains rivaliser d'une façon qui équitable et avec exploitation droit de douane qui rivait la augmenter plutôt et prix droit de douane qui rivait à 25% sous batterie machine électronique qui sorti dans la Chine et avec 25% sous minéral essentiel qui dans batterie ça en parlant de batterie chinoise. Donc président et prend la parole jodi a et pour te augmenter tarif sa yo sous produits électroniques pays chinois faut dire que eh ben rivalité entre première puissance mondiale là parlant de États-Unis avec et la Chine qui deuxième puissance économique là eh ben c'est un bagage qui toujours dans actualité a, et jodi a président Joe Biden lui-même lui dit que ça rivé trop longtemps faut son bagage qui yo capable adresser. Et puis l'autre point dans l'actualité, il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui fait une visite sans attendre dans Kiev côté il déclarer assistance et les États-Unis rivé pendant que Ukraine a traversé une période difficile. Marie-Luce Pierre. Président ukrainien Volodymyr Zelensky te remercie les États-Unis pour saluer les un paquet assistance essentielle pendant l'été organisé un chita parler mardi dans Kiev avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Zelensky te dit Blinken visite à Tabvini pendant une période difficile pour les pays noirs pendant la Russie t'a intensifié attaque sur région Kharkiv là. Very good to see you. I bring as well. Blinken te dit les États-Unis ensemble avec l'autre partenaire ukrainien déterminé pour assurer que Ukraine gagne ça les besoin pour les réussir dans bataille contre l'invasion la Russie. États-Unis étaient annoncé dernière contribution li dans effort la guerre Ukraine là, c'est un paquet $400 million dans armes et équipement. Visite Blinken gagne la dan tout un chita parler avec premier ministre Denis S. H. Mile avec ministre affaires étrangères Dimitri Kuleba et puis la brigade pour faire un discours dans Kiev. Porte-parole département d'État américain Matthew Miller t'a dit dans une déclaration que Blinken t'a discuté sur mise à jour champ de bataille, impact nouveau sécurité américain, avec assistance économique, sécurité à long terme, avec l'autre engagement, avec travail continuel pour renforcer récupération économique Ukraine. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. Actualité à Penenou dans la région Moyen-Orient, côté que Washington espérait va gagner une trêve, va réussir à joindre un cessez-le-feu à travers négociation qu'a fait dans le pays l'Égypte. Faut dire déclaration Washington ça venir Jean-Robert Philippe dans moment Israël annoncé un plan que le gagner pour mener une opération dans sud et ville Rafah côté que il y a des gens qui parlent de 1,2 million, des gens qui parlent de 1,5 million, côté que ni Washington, ni Nations Unies pas d'accord avec une opération l'armée israélienne, Jean-Aubert. Effectivement, Jacqueline, ben ça devient une compliquée situation toujours. En plus de ce qu'on dit là, il y a un autre dossier encore qui est rentré pendant la négociation Abdéoulé Israël avec Hamas, que les États-Unis souhaitaient avoir une trêve là-dedans. Mais c'est une annonce qui fait comme quoi tribunal et criminel international des Nations Unies prend le temps des plaintes Afrique du Sud déposées, côté lié dénoncé ou bien encore, côté lié accusé Israël pour génocide dans la guerre menée dans le territoire Gaza. C'est un barrage qui bat les États-Unis en pile inquiétude dans le moment que les États-Unis ont encouragé de partir pour essayer une entente qui va déboucher sur la libération d'otages et puis tout pour rencontrer dans la guerre qui a déjà touché le 7e mois. Tristesse plusieurs milliers de monde à vivre dans le territoire Gaza souligne les besoins urgents, leader mondial a gagné pour mettre fin dans la guerre dans le territoire après plus de 7 mois de bataille. Crainte ça a pas empêché Israël à préparer pour lancer attaque dans la ville Rafah qui chargée avec monde malgré objection des États-Unis.
This particular negotiation has had its ups and downs. Its ins and outs, its Conseil national Maison Blanche là, Jack Sullivan déclaré négociation particulière ça a gain bon avec mauvais côté. Capable gain ce s'il fait demain si Hamas libère otage qui blessé yo avec personnage yo. Nous gain confiance Israël mettait sous table là une bonne proposition et que Hamas fait une contre-proposition. Monde l'en voulait pour gagner un cessez-le-feu. Monde cap fait demande ça, doit demander Hamas chita sous table là et puis travaille jusqu'à ce que yo joigne entente. Gain une nouveau fissure dans processus là. Égypte qui a accueilli négociation yo dit li supporter plainte pour génocide qui déposé contre Israël devant tribunal justice internationale là. Jack Sullivan déclaré moi pas capable dit support ça aider dans discussion qui a déroulé en Égypte entre Israël avec Hamas pour essayer de régler question accès à assistance humanitaire. Mais moi connais Égypte, Israël, États-Unis, Nations Unies et bien yo tout a essayé travail ensemble pour une façon pour avancer. En est-ce faire connaître confusion dans message Washington non, particulièrement sous plan Israël gagné pour lui lancer une grosse opération militaire dans sud ville Rafah. David Makowski, un éminent collègue dans Washington Institute et directeur projet Corel dans relations israélo-arabes, a déclaré il y a quelques signaux d'épargne bon côté administration. Il y a des lèvres, c'est en cours, il y a compte tout bagaille qui gagne pour avec Rafah. Une autre fois, yo dit non, non pas contre Rafah. Nouveau que j'en moi plan, moi quoi c'est un bagaille qui doit clarifier. Leadership israélien a fait face avec pression bon côté citoyen yo qui a accusé premier ministre Benjamin Netanyahu comme responsable qui a chauffé du fait dans violence palestinienne. Pendant ce temps, Israël continue à attaquer territoire Gaza malgré responsable yo a cherché une route la paix. Jobert Philippe, Bureau Creole, Washington. Et puis, communauté catholique là dans Miami marque 25e anniversaire en paix bien connu dans la zone. Serge François Michel, gain détail. Religieux des autres, Miami à Campile côté des États-Unis, même en Afrique, pour réunir dans l'église Sacré-Cœur, dans Ville Homestead, dans sud-ouest Miami. Côté l'église là, t'es organisé, il y a aucune fête de célébration pour marquer 25e anniversaire curé paroisse là des villes des sacrés pères catholiques. Curé l'église là, Père Robes Syrian Charles, t'es habillé même Jacques, Père Gabriel Mbea, qui est sorti directement tout près à Abuja, capitale pays Nigeria. Pas de côté pour piquer les épingles dans l'église là, Père original Jean-Marie, qui s'est curé l'église Notre-Dame, dans Haïti, dans Miami, t'es présent. C'est vraiment un moment de grande joie pour moi-même, parce que Père Robert, ensemble avec nous, nous gagnons toute une histoire ensemble. Nous entrons dans le séminaire ensemble, et de Saint-Jean-Vianney à Saint-Vincent-de-Paul, et ordination Robert, c'était 25 ans de cela, je songe de date ça. 11 mai, c'est un moment vraiment qui était dit en pile pour moi parce que nous avons contemplé moi-même pour ordination femme. Et elle a regardé, nous tous deux, nous fait chemin ensemble. Gababdou, c'est vraiment un pile sacrifice et en volonté. Et ça, c'est toujours bien qu'il y a Père Robert, c'est une passion pour le sacerdoce. Et non seulement ça, c'était toujours un qui révélait et manifestait un acte de foi dans la ville. Père Robert Charles travaille-tu dans l'église là? C'est lui qui chantait chaque dimanche messe en anglais pour Américains, messe pour monde qui parlait espagnol, et messe créole pour Haïtiens. Il était parlé à Véora créole pour dire qui sa célébration ça représenté pour lui. Myself, je believe, c'est un coup que moi, je me suis ordonné, c'est aider Mounio. Oui, c'est tout nos servant dans toutes conditions, dans toutes bonnes conditions, dans tout chemin, la vie Mounio et Dieu accompagne. En fait, c'est ça qui fait la différence. Et ça a poussé un peu de mal et de mal. Je continue de faire ça, tout le monde, ça va demander.